bonsoir à toutes et tous. J'ai même pas fait exprès de tomber sur pile à la fin du compte à rebours sur cette musique là. C'est une musique qui a fait Funky Fouine sur Signe D, la série que réalise Feldup sur YouTube, série sur Slender. Bonsoir à toutes et tous. Donc, on va rapidement faire l'appel comme d'habitude. Je sais qu'on n'est pas très nombreux ce soir. Donc, bonsoir Naira, bonsoir Proxy, bonsoir Azazel. Je crois que c'est ton anniversaire, Azazel. Donc, joyeux anniversaire à toi. Bonsoir Dexama, bonsoir Dragon Soul, bonsoir Emily Lotus, bonsoir Enemeka Kushidan, bonsoir FNAF Forever 2, bonsoir Golden Darkness, bonsoir Andy Acadia, bonsoir Julia Bakura, bonsoir Kladark, bonsoir La Chippie, bonsoir La Grenade Fragile. Ça pète comme pseudo. Bonsoir Malzar, bonsoir Mister Poichich, bonsoir Ratata du 62, bonsoir Retro, bonsoir Swiji, bonsoir Toto Sinel et bonsoir Yoro Misaki. Et j'ai bu Shairan tout à l'heure, bonsoir à toi aussi et joyeux anniversaire à toi parce que c'est aussi ton anniversaire. Ça en fait des gens qui fêtent leur anniversaire en décembre. Voilà, donc on se retrouve ce soir pour du Outlast, tout simplement parce que j'avais envie d'y rejouer. J'y ai rejoué il n'y a pas très longtemps. Un tout petit peu de whistleblower. Donc là, je vous propose de se péter les oreilles. Déjà. Ah, voilà, je vais juste un peu changer le son. Ça devrait aller. C'est incroyable, je fais des paramétrages de son et pourtant c'est quand même la merde. Voilà, donc joyeux anniversaire à tous, hein, voilà. Donc pour ceux qui sortiraient d'une grotte, enfin qui vivraient dans une grotte, il y a Outlast 2 qui a été annoncé il y a quelques semaines déjà. On n'en sait pas encore vraiment plus, mais si jamais il y en a qui auraient eu par hasard des infos, et des infos vérifiées, pas de la gnognotte, on peut en parler ce soir sur le chat, il n'y a pas de souci. Tu resteras pas longtemps ce soir, Emily Lotus. Tes tympans sont rentrés dans ta gorge, je suis désolé pour ta gorge. Ok, bah écoutez, je vous propose sans plus tarder, on va essayer... Alors, je ne le fais pas en psychose, hein, on va se laisser le bénéfice de la mort, on va dire. On va le faire en cauchemar. Donc je me permets de rappeler, de relire comme à chaque fois. Donc c'est un excellent jeu d'horreur. C'est un jeu qui m'a redonné foi dans les jeux d'horreur. Outlast. Donc Outlast contient des scènes de violence intense, du sang, du contenu graphique, d'ordre sexuel et du langage grossier. Bon amusement. Bref, donc voilà. S'ils le mettent au début, c'est pas pour rien. Voilà. Donc c'est parti pour la purée. La purée de sang, de boyaux et de cervelle. Mais tout le monde a une queue de merde ce soir, c'est incroyable. Ah bah Sweetie, c'est demain ton anniversaire, tu le fêteras sur le live de Funky Fouine. Ou sur le mien, je ne sais pas encore, parce qu'on a peut-être prévu quelque chose ensemble. Casper. Ah, j'avais jamais vu, il a presque plus d'essence dans son réservoir, le mec. Des petits détails à la con. Donc, je vais vous faire grâce des documents, hein. Vous ne me connaissez pas, patati. En fait, c'est le mail que le personnage qu'on incarne dans Whistleblower envoie, en fait. Tu vas à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Ok. Je suis désolé pour toi si tu vas en Allemagne. Tu as peur que Outlast 2 te déçoive. D'après ce que j'ai compris, Outlast 2 va jouer sur une autre horreur en fait. Il va plus jouer sur une horreur que j'avais bien appréciée dans... Je ne me rappelle plus du nom de ce jeu qui était sorti sur GameCube.
Apparemment, on va jouer sur le tableau de la folie. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un jeu où on peut être de plus en plus fou. Bonjour. Bonsoir. Je viens livrer des pizzas. Des pizzas aux cookies. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça sur le chat. Pizza cookie. Ça vous intéresse? Désolé, hein, je m'arrête un petit coup, je regarde parce que c'est vrai que le jeu, j'ai beau avoir tous les succès sur ce jeu, j'ai même cherché tous les documents, j'ai passé pas mal de temps dessus. J'ai toujours le sentiment de ne pas avoir tout exploré dans ce jeu-là en fait. Une télévision. C'est horrible. La télé crie qui wesh. Oui, wesh. Bonjour monsieur. Pizza delivery comme je dois. Il est pas terrible. C'était les petits jeux indépendants, enfin les petits jeux faits à la va-vite qui devaient faire des jumpscares un peu comme cela. Mais qui n'arrivent pas à la cheville de jeux tels qu'Outlast ou. Voilà. Killed us. You got out. The Varys. You can't fight them. You have died. Can unlock the main doors from security control. Monsieur, ah, Proxy, ça va être à toi. Prochain défi, les yeux fermés. T'as déjà essayé Project Zero? Non! Salut Pony MLP Rarity! Blind mode Outlast, bah regardez, on est déjà en blind mode là. On voit rien. On voit rien. On peut faire, je sais pas, Insta Wall Rider, Insta Chris Walker. Attendez, je sais plus ce que j'ai cherché. Il suffit que je joue pas au jeu pendant 2 mois et je l'oublie complètement. Ah ouais, c'est chouette ce que vous regardez les gars. C'est chouette, c'est mieux que MLP hein, on dirait. Ouais, je connais tout par cœur quasiment. Je connais presque tout par cœur. Regardez, vu que c'est plus tellement une surprise, on sait très bien qu'il va nous sauter à la gueule. On va le faire à la moonwalk. Mais
En quoi j'ai insulté MLP? En quoi est-ce qu'un programme télé... Je sais pas. J'ai le droit de penser qu'un programme télé est mieux que MLP, non? Bonjour. Même si c'est un programme télé avec un peu de sang et de la neige, bah voilà, ça reste mon avis personnel. Je vois pas comment j'insulte MLP. T'es pas drôle. Au moins dans MLP il y a une morale. Non. Non, mais justement. C'est ça le problème. Il m'a même pas vu. Who's there? Who's there? Alors, on va d'abord activer celui-ci. Ah, j'ai un truc qui vient d'arriver dans mon œil là. Voilà, on va bien se cacher sous le lit. Ouais, j'ai déjà joué une ou deux fois, j'avoue. J'ai même pas vu cet abruti. Oh, mais c'est incroyable, j'ai eu un cheveu dans l'œil, je crois. Enfin, vu que j'ai une qualité graphique extrêmement élevée, vous l'avez tous vu. Il est là. Il est là. Monsieur! Monsieur! Putain, mais. Ils sont teubés ce soir? Oui. Ah, bravo, Guillaume. Magnifique. Ils sont teubés, mais moi aussi, hein. Oula, c'était quoi ce vieux lag? J'ai eu un vieux freeze. Ouais, mais c'est bon. Voilà, je suis là, mec. Hein. Coucou. Voilà. Il faut qu'ils me suivent. Mais non. Oui, Azazel, ça m'a d'en fermé à clé. Tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel and all doors will open before you. Oui, il nous a administré un léger sédatif, oui. Il vient de nous transpercer la jugulaire avec une aiguille de 1 cm de long. Bon courage pour survivre à ça. Outlast est un jeu indépendant comme Five Nights at Freddy's, comme je ne sais pas moi, comme Minecraft à la base. Minecraft était un jeu indépendant avant d'être racheté. Ça n'est pas un jeu qui a bénéficié d'un gros budget en fait, et qui n'a pas été développé par une grosse entreprise de jeux vidéo. Ce sont des développeurs indépendants, donc à leur compte, qui se sont réunis, qui ont développé un jeu comme Outlast, ou comme, je sais pas, comme.
comme tous les autres jeux indépendants. Voilà. RIP. Rest in peace. Oh putain. Thanks, mate. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Putain, je l'avais oublié, ce con. Ça, c'est Funky Fouine sans cheveux et sans barbe. À peu près. Je plaisante. Ok. Who's this? Maybe Father Martin's men. Maybe. He looks. Désolé. Pourquoi tu t'enfermes? Bonjour. Est-ce que je vais faire partie d'un projet avec Feldup? Ça dépend comment on regarde. Est-ce que je fais partie d'un projet avec Feldup ou est-ce que Feldup fait partie d'un projet avec moi? Plus où il y a des piles, faudrait... j'ai quand même que deux piles seulement pour jouer, même si c'est. Alors attends, on va juste préparer le terrain. Ok. Ouais. Oui, The Conjuring. Comme le film. Tout va très bien. Donc normalement, si je fais ça, que je fais ça. Ah, j'aurais pu aller sous le lit aussi, je suis con. Bonne nuit, Julia. Bon, il va me sortir, me mettre une tartine. Allez. Comme ça, c'est plus facile. Tout va bien, je sais très bien ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Bon, reprends ton souffle, mec, reprends ton souffle. Ça va bien se passer. Ok, c'est bon, tout va bien.
T'as vu, quand le mec il défonce la porte quand même à 50 mètres de moi, enfin 50 mètres à 20 mètres de moi, et un tremblement de terre. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là? Il est pas censé être là. Il est censé sortir. Oh là là. Plus je joue à ce jeu, moins je le comprends. Hop là. Bonne nuit, Millie. Il faut récupérer la clé là-bas. Non, mais tout se passe bien. Je sais exactement où je vais. Un peu bête. Merde, j'ai plus de piles et je fais le con là. Ok. T'es bien décédé. C'est accueillant comme fauteuil, on va dire. Ah la vache. Bah, c'est le mec, il arrive à regarder le soleil et la lune en même temps. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Quand même. Plaît-il? Ah, je me disais bien qu'il y avait une pile encore quelque part dans le coin. On est obligé de passer par la fenêtre. Le caca des pigeons, c'est caca. Faut pas manger. Bah oui, il pensait, il est partout et c'est tant mieux pour lui parce qu'il fait du bon travail. Chris Walker, hello. A little rat, yeah, come here. Et pourquoi j'enlève ma cam comme un idiot? Juste pour vous faire peur. Oh putain, il est juste là. Little pig. Oh my god, il est là. Coucou. Non, il veut pas. Bon, en fait, c'est facile ce jeu. Je vous le dis.
Oh mon dieu! Ce vrai faux jumpscare de l'inutile. Si je me trouvais dans cette situation, je ne sais pas. C'est un petit peu le principe. C'est un petit peu le principe de. C'est un petit peu le principe de cette histoire, hein. C'est que. Enfin, le principe, non, c'est pas le principe, mais ça fait partie. On va attendre qu'il ait fini de gueuler l'autre là. Et toi? Voilà. Donc, je disais. C'est un des thèmes de l'histoire d'Outlast, c'est que on est capable de réagir de façon très 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 différente de l'ordinaire. Je veux dire, le personnage qu'on incarne là, Miles Upshur, il est devenu un sujet parfait pour, on fait bien d'en parler, pour l'expérience du Wallrider, puisqu'il devient plus ou moins, il embrasse plus ou moins le Wallrider à la fin. Quand je dis embrasse, c'est pas rouler une pelle. Hein. Il accepte, le Wallrider finit par le posséder lui, alors que toute cette expérience-là a été menée sur des personnes conditionnées, sur des fous, des aliénés mentaux, etc. Donc l'être humain est très malléable et capable de changer extrêmement vite et extrêmement radicalement de façon de faire. C'était le Wallrider. Ce sont des passages que j'aime pas trop. Oh merde. Souvent ça passe ou ça casse cet endroit là. Bon là on n'est pas en psychose donc j'ai pas le stress ultime d'échouer ni rien. Ça va, il est assez largement assez loin. Chris nous suit quasiment jusqu'à la fin, oui. Et on est aussi sadique et attiré par le mal, mais bon, ça c'est une constance. Bonne nuit, Cladark. Chris. Parce qu'il peut vous choper, hein. Il peut vous choper en dessous. Mais t'es pas gentil là, tu me pédopig. Pédopig. Pas mal. Pédopig. Il m'a même pas vu. C'est bien, c'est parce que vous faites pas de bruit. Allez, c'est parti. C'est une échelle qui va en enfer là ou quoi? So, where to? Hop.
Ta gueule, la paix. Oh, la vapeur, je l'avais oublié. Ce petit mouvement d'esquive que je viens de faire. Hey. I'm coming. Bien sûr qu'en fait pas de bon, on est mort de trouille. Mais non, faut pas avoir peur. Plus de bruit hein, quand tu cours. Hein. Il est pas fou, c'est un prêtre. Arrêtez de dire qu'il est fou. On va aller chez les femelles? Non. Bon bah on va aller chez les mâles. Ça s'appelle pas une chute pour rien. Hein. Louf. Oh, un petit morceau de boyau juste là, regardez. Des petits morceaux de boyau. Malsain, c'est très malsain. Salut Pumpkin Bernie. Ça doit être les toilettes des filles. Je ne suis pas un voyeur. Dans Whistleblower, on passe par l'aile des femmes, il me semble. Oh putain, non c'était pas là, je me rappelais plus. Bonjour. Je suis poli, moi je dis bonjour à tous ceux que je croise, hein. Vous allez pas. Hein. Voilà. Attends, je viens de là, je vais vers là, je saute vers là. Je m'effraie avec l'eau que je fais éclabousser, c'est quand même génial. Bon, ça suffit là. La flotte, sans me déconner. Il n'y a pas de femme dans ce jeu. Non, il n'y a pas de femme. On entend juste une voix féminine dans Whistleblower. Bonsoir, Swagland. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui arrivent et bienvenue dans ce jeu fait de pénombre, de tuyaux, de flotte et de Chris Walker qui s'appelle Outlast. Il est où d'ailleurs en parlant de Chris là ? Little Pig! Little Pig! Where are you? Enfin, non, c'est moi le Little Pig. Little Pig, come here! Oh merde, il est où ce con? Je dois voir ses yeux normalement. Normalement, on voit ses yeux dans le noir. Dans le noir. Pourquoi je presse taxer maintenant? Je t'entends marcher, mec. Je t'entends marcher. J'ai regardé des vidéos à Xenos, je sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est un youtubeur qui fait des petites vidéos bien, bien marrantes. Et, l'accent qu'il prend des fois, ça déteint sur moi en ce moment. Mais je ne te vois pas, Chris. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas, alors je vais courir. Je vais courir, mec. Voilà, je cours. Hein. Hop, voilà. Ah oui, alors, attendez. Petite subtilité. Voilà, toi, tu dois venir là. Bonjour. Ouh. Non, je get back pas. Cesse de me poursuivre. Être maléfique.
Je me suis toujours demandé si cette tête représentait quelqu'un. Parce que c'est la... C'est une tête qu'on ne voit nulle part ailleurs. Avec la coupe de cheveux et tout, je me demande si c'est pas un développeur. Ils ont pas mis la tête d'un développeur en easter egg. Je me suis toujours posé cette question. Bon. Par où est-ce? Arrêtez de taper dans la porte. Oh, bonsoir, Funky Fouin. Comment vas-tu, mon ami? Merde, non, je me trompe tout le temps. Internet a peut-être la réponse à ma question. Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu la flemme de me renseigner à ce sujet. Mais ça ne m'étonnerait pas. J'ai eu peur, maman. Ça m'étonnerait pas que ce soit un easter egg. Ouais. Tu préfères les vagues ou quand c'est droit? Obi-Wan Kenobi, je répondrai. Parce que c'est bientôt, c'est la sortie de Star Wars demain, donc voilà. Ah bon, ça va très bien, Funky. Ah, petit passage un petit peu, je vais devoir me concentrer, les gens. Donc je ne vais pas trop lire le chat. Je dis bonjour à tout le monde, même si c'est qu'une moitié de personnes, je vais pas dire, juste dire bon, parce qu'il y a qu'un demi, je dis bonjour, je dis tout. Et je dis de la merde surtout. Cours, cours Jay, cours, arrête de dire des conneries. Non, c'est pas par là. Concentre-toi un peu Jay. Alors là une fois il m'a mis une mort qui était juste géniale. Non c'est bon. Parce qu'une fois je me suis rattrapé de justesse et il a considéré que j'étais mort en fait. C'était juste énorme. Oui, mais... Je veux livre alors. J'ai bégayé. Made the right choice, buddy. Bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch? Have a little confab. Surprise, motherfucker! Exactly. Failure than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. C'est pas un autre bouffon là, c'est un peu le king des bouffons là. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, oui. All the way here. Oui. Go on, run free. Oui, je veux. No hurry. Oui. No? Alright. Mais si, je fais oui avec la tête. On peut pas faire comme dans Far Cry 4? Genre on fait ce qu'il nous dit et puis le jeu se termine, il nous laisse sortir et basta. En plus on voit ton cul. Je veux pas dire hein, mais oh, je te parle. Tranche de cake. Oh. Avant de quitter l'ascenseur, je dois vous prévenir que nous allons à présent assister à une scène d'une intense violence. Donc pour les personnes
qui seraient, on va dire, sensibles à ce genre de choses, je vous invite à tout simplement couper le son. Parce que c'est surtout le son qui rend la scène horrifique. Je vous ferai des grands signes quand ce sera terminé, que vous pourrez remettre le son. Voilà, donc les personnes qui sont un peu sensibles, un petit peu jeunes, qui ont peut-être peur d'avoir peur, un peu trop peur, je vous invite à couper le son à partir de maintenant. T'as fini ta pizza, Pumpkin Bernie, mais elle va peut-être revenir, hein. Naira voit son cul. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit lazy. It's understandable, people get scared. There is like the turn of God or something else. When God died with the gold standard, we're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. Make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's so much for you to absorb. There. Better, right? Here's an HQ. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. C'est bon, vous pouvez remettre le son, les gens. C'est bon. Voilà. C'était la petite séquence émotion, on va dire, qui me met toujours encore un peu la chair de poule quand je la vois, parce que je suis quelqu'un d'assez empathique. Pour être franc, je supporte pas les films d'horreur comme ça, où une personne est attachée, se fait torturer gratuitement. Je supporte pas ça, donc... Truc que vous avez jamais vu sur mes lives parce que je l'ai jamais regardé. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Voilà, il le tue tout simplement. Bon.
Oh le con, qu'est-ce qu'il fout là? Punaise, je pensais qu'il me suivait moi. En fait, il a fait le tour. Bon. On va se déplacer doucement. Mais comment il peut me voir? Je suis à l'autre bout du couloir. Je fais pas de bruit. Allez, viens. Non, défonce pas la porte. Allez, t'es pas con, tu sais l'ouvrir. Bon, on la refait en moins violente, cette fois. Tu tournes à gauche, tu prends la première à gauche. Dans 5 mètres, tournez à gauche. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Putain, c'est pas vrai. Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Hey, nobody likes a quitter. Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Okay. Juste dégage. Bon, tant pis, je sprint. Oh, ça va, tranquille. Ta gueule, toi. Pardon, je deviens vulgaire. C'est ma faute. Ah, quand même, hein. Checker le GPS. JPS, ouais. Pas mal, rétro, pas mal, pas mal. Attends, j'arrive dans les chiottes, c'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux. Oh putain, le coin. Attendez, il y a un pilier autour duquel je peux courir. Ça, à la limite, je vais le déglinguer comme ça. Ouais, mec. Mec. Il me voit pas. Il me voit à l'autre bout du couloir à 50 mètres, mais là il me voit pas. Et là, regardez, il me voit toujours pas. Mais tu es con? Ou tu le fais exprès? Pas vu où il a tourné maintenant. Ouais, il fait plus de bruit l'armoire aussi.
sans les mains. Je suis pro gamer. Bonne nuit, Naira. Bonne nuit, Trigger. Bien fait. C'est juste cette citation qui mérite d'être lue. Étape 1, pressé. C'est le. Voilà. Recette du jus de Traeger. Étape 1, pressé. Ça m'avait juste bien fait marrer. Sur le coup, à l'époque. Non, c'est pas du psychose. Mais ça pourrait, je ne suis pas encore mort. Et j'ai fait les passages potentiellement les plus chiants. J'ai plus que le Wall Rider qui est pénible à la fin. J'ai vraiment fait les passages les plus chiants et je ne suis pas encore mort. Donc j'aurais pu faire en psychose, mais je voulais pas me mettre une pression ce soir. J'avais pas envie de me mettre une pression de plus. Mais le psychose, je l'ai déjà fait. Hein. Attention. Il n'y a pas une pile quelque part dans le coin? Non. Attendez, je viens de là, putain. Jay, suis un peu, bordel. Je crois que c'est là qu'il y a une pile ou c'est un document. Non, c'est un document. Ah. Un barbecue avec de la dinde. N'est-ce pas, Funky? De la dinde. C'est toujours meilleur avec de la dinde. Oh, du feu. Ben voilà la solution. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. Le voilà le barbecue. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. Comment t'as fait pour tout retenir? Bah, j'y ai joué. Je l'ai dit, j'y ai joué deux ou trois fois déjà. Mec à Kushidan. Ah mais il n'y a pas de nom dans le système, blablabla, blablabla, blablabla. Vraiment teubé ce soir, Chris, hein. Every little crevice until we find the night key. I know one new baby's.
Oh. Oui, on va te laisser chercher la clé, hein. On va te laisser faire ton business, mec. Y a pas de problème. Monsieur Free avec ma propre ombre quand même. Hein. Allez, file. Ok. Va y avoir un jumpscare, mais je sais plus quand. C'était là. Bon. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause rapide. Parce que j'ai perdu deux doigts. Et là. Il y en a quelques-uns, donc ce que je vous suggère, c'est qu'on se les recolle. Je sais pas comment. On aurait bien se trouver un petit truc là. Je sais pas, c'est bon. Non, c'est des haricots. Je croyais que c'était des sauts de peinture maintenant. Ouais, ouais, Jay, t'as raison. Bref. Toujours pas de pile. Tout le monde est mort ici, c'est incroyable. Ouf. La cabane est là. Oui, bon, ça suffit les éclairs. C'est le Wall Rider, une fois encore. Fous-moi la paix, Wall Rider. Personnage dit mon Dieu, je crois que je viens de voir le Wall Rider. Ah oui, là je sais qu'il y a une pile. Elle est la pipi, elle est la pipi. Sans pouvoir recharger tout de suite. Hein. Je peux voyager dans le noir, économiser les batteries autant que possible, tourner. Terriblement bien fait. Hein. Je sais que vous avez une piètre qualité à cause de ma connexion, mais les gouttes de pluie sur la caméra.
Les gouttes de pluie sur la caméra et tout, c'est génial. Hein. J'allais dire, déjà avant je la voyais pas, je le voyais pas dans l'eau, là je le vois pas non plus. On voit bien ses yeux là. Voilà, encore un peu d'économie de batterie. À Wall Rider, il n'y a qu'un seul aile. Je te ferai remarquer. Non, à Plast. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Non, il faut... Si je sprint suffisamment vite... Et non. Bon, heureusement qu'on n'était pas en psychose. On va la jouer safety first. Hein. C'est-à-dire qu'on va voir notre copain. Allez, viens là. Oui, j'ai vu ton Wall Rider à la con. Ouais, j'ai dit c'est le DLC. Un document ou une pile de nouveau. Merde, c'est un document. Je m'en fous des documents, j'aimerais des piles. Bon. Ouais, j'oublie toujours ce jeu. Ouais, non, c'est là qu'il faut que je monte. Reproxy. Je sais qu'il y a déjà une clé ici. À récupérer ici. Tais-toi, laisse-moi tranquille. Oh mais c'est pas vrai.
Oh, vous êtes chiants les ennemis teubés, hein. Sérieux. Je vais faire le coup classique. Hein. Je vais m'enfermer, il va me mettre une tartine. Le deuxième fusible, il est là. Voilà, on le voit. Il est juste là. Mais il le fait exprès, hein. Je suis sûr qu'il le fait exprès. Je suis sûr qu'elle le fait exprès. Quand je dis elle, c'est l'IA, hein, l'intelligence artificielle. Ce fusible, putain, il est là quand même. On va juste attendre. Non, c'est pas qu'il est stupide, c'est que à chaque fois il retourne là où, il, où je veux pas qu'il aille. C'est ça qui est chiant en fait. J'économise un max les piles là parce que j'ai pas mal fait le con à regarder des trucs tout à l'heure. On va juste se renfermer. Une petite pile bien méritée. Oh coucou, et je suis monté mec, hein, viens me chercher.
putain, le Wall Rider. Il est sympa, le Wall Rider. Il me montre où je dois passer. C'est ça qui est génial, en fait. Bon, alors là, pas se faire avoir. Il y a un trou dans le sol, maintenant. Non, ça, c'est pas la bonne sortie. Alors... Tout va bien ici. Coucou. On voit ton cul aussi, hein, je veux pas dire, mais... Je sais pas où est l'autre. Ouais, les vêtements sont optionnels, hein. y a pas de problème. C'est moche, le seul moment du jeu où il lâche sa caméra, il faut que ce soit là, quoi. C'est par là, Jekyll, la main fin. Ok. Oh putain, je l'avais oublié, ce con. Ouf, oh, j'étais dedans, là. J'étais pris dedans, je l'avais oublié. Oh, punaise. C'est incroyable, Outlast, je le connais par cœur, il arrive encore à me faire sursauter. Enfin non, preuve que je le connais pas par cœur, vu que j'avais oublié ça. Sois objectif, Jay, quand tu parles. Ouais, j'ai récupéré mon caméscope, tout cassé, il est tout pété maintenant, et... Oh bonjour, il y a des gens. Je suis où? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Ouf, oui, c'est vrai que la caméra fait ça maintenant un peu de temps en temps. Crise cardiaque, je suis désolé. Je suis désolé, j'avais complètement zappé. Sérieux, même moi là j'étais pris dans mon petit sprint et tout, là j'étais dedans et je me suis encore fait surprendre. Je vous assure que je n'ai pas essayé de vous troller. Toi, t'es pas très bien formé, on va dire.
Il y a encore deux apparitions de Chris qui sont un peu chiantes. Ah non, je suis désolé, mais là il a vraiment une sale tête. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, bah, dégage. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont hospitaliers, les gens ici. Hein. Ah, ça, c'est. C'est une scène particulièrement importante pour la compréhension de l'histoire, mais comme on est un petit peu pris, je suis un peu pris par le temps. Dans l'idéal, j'aurais dû finir 23h. De ramasser les documents, Jay. Et... Oh, une pipile. Tout c'était cloné, non, il y a beaucoup de patients dedans et à mon avis ils ont pas eu l'occasion de faire 36 millions de modèles quoi. Laisse-moi passer, pauvre nul. Je ne sais plus par où c'est. Je ne sais plus par où c'est. Ah oui, il y a une fente dans le mur, je crois, voilà. Alors notre pote Chris aussi, qui va revenir une énième fois. Je crois que ce sera plus tard. C'est pas Puppet.
Et non, c'est là où tu te trompes, Dragon Soul. C'est que. Enfin, Dragon Soul, pardon. C'est qu'il a raison. Le surnaturel dans Outlast n'existe pas. Il a tout à fait raison. Funky Fwin de faire un lien entre les lignes sur Outlast et vous saurez ce que c'est le Wall Rider. Il m'ouvre la porte. Avant, il voulait me tailler la bidoche, là, et maintenant, il veut m'ouvrir la porte. Comme c'est original. Amen, Proxy, comme tu dis. Allez, nouvelle pile. J. C'est par où. Ah oui, il faut que tu lui passes devant, en fait. Tourne. Voilà. En fait, je dois aller de là d'où il vient. Et c'est con, mais. Putain, des tables et des chaises. J'ai failli mourir à cause de tables et de chaises. Sérieux! Je sais pas si Funky est toujours là. Il est trop fin pour passer, c'est clair. Ça m'étonne que j'ai pas de sang sur ma veste avec tout ce que j'ai déjà vécu là. Salut prochain Wall Rider, salut le sang, les boyaux et l'autre moitié du gars qui j'ai dit bonjour tout à l'heure. Bon. Pas encore tout à fait sur la fin, mais on y arrive. Couloir le plus long du monde. C'est fait.
Because of Billy. Billy. Salut Max Lol. Salut, bonne nuit à Zazel. Ramasser là, ben non, elles sont tordues, les armes. Merde, non, c'est pas par là, Jay. Le fameux passage. Le fameux passage où j'étais mort la première fois en psychose. Voilà, faut le provoquer. En fait, il faut bien contourner. Contourner les tables dans la cantine parce que je me suis fait avoir à cause de ça une fois. C'est là en premier. Oui, il faut d'abord désactiver ça et ensuite l'autre. J'adore. Ils font toute une passerelle énorme, tout pour arriver jusqu'ici, ne pas tourner la valve. Ok. C'est parti. Cours. Voilà, la porte en haut va s'ouvrir. Voilà. Oh! Je vais aller trop vite avec ma souris. Je crois qu'on arrive jusqu'en haut de la tour Eiffel, là, en fait. Tell
Il est juste derrière moi, ce con. Ah ouais, non, le mec là, zéro calorie là. Là, il a cramé toutes ses calories, ouais. La gueule. Non, je l'aurais pas passé, je suis mort une fois. Je suis mort une fois, proxy. Mais je m'en fous, je l'ai déjà fait. Merde, c'est où nouveau le bouton? Il est où le bouton? Je sais plus. Oh mec, sérieux. Voilà, c'est fini. Au revoir, Pelé. Donc sur ce, les gens, si vous avez des questions, c'est tout de suite maintenant parce que je couperai pendant le générique de fin. Parce qu'il est 23h passé, il faudrait que je quitte. Ouais, ça devait être quand t'as quoi déconné. Chris Walker m'a chopé une fois. Question time, les gens, allez-y si vous avez des questions. Nouvel objectif, sortez. Un résumé, je suis arrivé dans un asile, c'était le bordel, je suis ressorti de l'asile et c'était grave le bordel pendant que je sortais. À peu près. Il y avait un peu de sang, je me rappelle plus. Salut Nicoa76. Il en peut plus là, il est au bout de ses forces. Il est au bout de sa vie, de ses forces, de sa conscience. C'est beaucoup plus clair, t'as vu ça? Ça pour ça. Est-ce qu'on meurt vraiment? Non, FNAF Forever, je n'y crois pas. Salut Gab 2133. Et voilà. C'était Outlast. Donc on se donne rendez-vous jeudi pour Whistleblower, qui est donc le DLC. C'est ce que j'ai mis dans le résumé sur Steam, je crois. C'est le pre-through sequel de ce jeu-là. Et je. Bah pourquoi Proxy? Bah pourquoi? Tout simplement parce que Funky va peut-être faire un lire entre les lignes un de ces jours. Voilà. Le baril rouge. Pourquoi tant d'acharnement? Je veux dire,
on est potentiellement celui qui a tout filmé, qui sait tout, on peut pas nous laisser sortir, c'est... Pour le Murkoff, c'est logique, quoi. Voilà, sinon n'oubliez pas demain, là, un soir, sur la chaîne de Funky Fwin, c'est un live chez Funky tous les mercredis. Et moi, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et on se retrouve demain chez Funky, et jeudi, sur l'extension de ce superbe jeu qui est Outlast. N'oubliez pas que le 2 est en développement, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà trouver le teaser sur YouTube, hein, vous mettez Outlast 2 teaser, vous trouvez, sur la chaîne Red Barrels. Ça a l'air d'être vraiment sympa, ça a l'air d'être dans un même esprit complètement bien barré, et puis voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une superbe nuit et à bientôt. Allez, ciao tout le monde! Faut que je coupe quand même, hein.